présenter ce concours en quelques mots. Il a été créé en 1963. Il a d'abord s'est déroulé à Lucerne, puis à Vevey. Et puis il s'est créé sur l'idée de quelques amis autour de Clara Askill, dont René Klopfenstein, qui était directeur de Philips, Michel Rossier, qui était son mentor, son impresario. Et ils lui ont posé la question en 1959, est-ce que vous seriez d'accord que le concours se déroule? Et puis elle a dit, vous le ferez, mais pas de mon vivant. Puis elle est décédée en 1960, puis en 61, ils ont décidé de créer ce concours. On a une épreuve éliminatoire, une épreuve de quart de finale, demi-finale et puis la finale. Donc c'est à peu près comme tous les concours dans le monde entier. Ce qui est peut-être un peu particulier chez nous, c'est qu'on a un répertoire qui correspond vraiment à celui que Clara Askill avait durant toute sa vie et qui est un répertoire qui est vraiment axé sur un certain type de musique qui peut-être s'intéresse un peu moins aux aspects virtuoses. C'est plutôt dans ce sens-là que le concours Askill se démarque des autres.